Comment oui? Là, mon gars, un téléphone Galaxy S10 Plus là même. Et moi, je voulais transformer le téléphone Galaxy S10 Plus ça en iPhone 11. Et pour me transformer le téléphone ça en iPhone 11, alors, bon processus pour me faire. Processus ça, très court, très simple. Et parce que nous, là, nous ne pouvons pas perdre du temps. Et, mais avant tout, je voulais prouver nous que moi, j'ai un téléphone, moi, j'ai un téléphone Galaxy Android quand même. Alors là, c'est pour n'importe quel Android. N'importe quel Mac Android ou qu'à transformer en iPhone. Ou même qu'à utiliser n'importe téléphone ou pour transformer un téléphone en Mac Apple ou capable. Quand téléphone n'a pas été physiquement Mac lié, mais ou qu'à transformer ça ou les applications ou bien menu en forme iPhone. Et direction écran là pour nous regarder un bagage pour nous prouver que mon grand téléphone dans même qui sont Android. Et pour les gens qui connaissent Android très bien, après janvier, là pour là, mon téléphone est le Galaxy S10 Plus. Alors, vous êtes capable de S10 Note, vous êtes capable de marquer faible, mais vous pouvez utiliser le même processus que ma fait là. Et parce que nous voyons que vous pouvez faire le processus très court et très simple, facile. Mais avant tout, si c'est la première fois que tu tombes sur la chaîne, tu trouves ça lié intéressant, abonne-toi à la chaîne. Gardez la philosophie nous. Si vous appréciez la philosophie nous, cliquez sur la cloche de notification pour recevoir toutes les dernières informations, toutes les dernières vidéos. Et si ça ne dérange pas, quitte un commentaire pour nous pour dire nous, j'en senti que nous travaillons avec la communauté haïtienne. Et s'il faut, partagez avec les amis, les familles, peut-être, vous nous connaissez plus. Là, je pense que je dis tout ça pour le dire. Mais non, à propos de ça, je vais vous donner. Ok, guys. Merci parce que vous avez patience, vous avez temps pour nous retourner pour nous présenter au tuto ça. En même temps, il faut dire merci parce que nous choisissons présenter au tuto ça. Ok, c'est juste pour faire. Direction écran non. Là, je suis sur écran non. Je vais aller directement dans Play Store. Je ne vais pas faire trop de temps. Je vais aller là. Je vais écrire iPhone. Ouais, je vais écrire iPhone dans la barre de recherche. Je vais faire recherche. Je vais mettre iPhone 11. Installer, c'est pas plus facile. Mais c'est appliquer Regio qui est un petit peu difficile. Là, je vais installer. Je vais aller faire installation. Je vais attendre. Mais pas oublier, je vais sortir encore. Pas oublier. Je vais voir que là, je suis toujours sur le même téléphone. Là, toujours sur le même téléphone, Galaxy S10 Plus. Alors, pour montrer nous. Et là, application m'a download du côté. Là, application m'a download. Et une choisir au prix. C'est très important. Qu'on application, c'est très important. Mais attention, on peut les présenter nous des applications que vous utilisez souvent. On a toujours joué des publicités ça. Donc, puis l'application qui est très très dangereuse dans l'application que vous avez installée. Mais Chanel a choisi de mettre en position pour présenter nos applications que nous connaissons, que nous-mêmes nous avons notion dans affaires application. Quand puis le monde qui a installé l'application sur le téléphone, la batterie a crasé, nous-mêmes nous côté. Et application qui est capable de changer vie, mais pas application qui est capable de faire peine. Et direction écran toujours là nous faisons pause nous là n'a pas application fin installer tout bagaille marqué sur tout select word proper là il dit get start là me start il m'a dit pour autoriser il dit oui il m'a dit oui encore il dit autoriser là téléphone moi le qui est transformé mais il y a quelques petits détails toujours pour nous faire. Et si des bagages à ça, la complètement tourné S10 Plus. Mais me dit ok. Là, il va mal autorisé et système. Allez là, m'autoriser. Là, me retourner là encore. Me dit ok. Nous car ouais là. N'après là, là demandez pour m'activer en pile. Même pour qu'on voulait activer l'autre, ça a tout net pour nous. Même plus, vous voulez faire back directement avant que vous présentez nous ça. Mais,
n'a pas le marqué full screen à une navigation, bah m'a dit oui parce que m'voulais impressionner les amis que m'a dit que m'don iPhone là. Il dit get start. Là n'a pas bah des progressions, il dit me glisser doit moins sur écran, me fait encore monter. Là il dit fait le vignon défaut pour lui. Comment un défaut fait le rester normal. Il dit c'est là. Là. D'après là, il m'a dit si je voulais l'application rété comme une application d'accueil vraiment. Oui, c'est ça, je voulais. Je clique sur l'application et puis je fais toujours. Là, parmi je me dis que sur le téléphone avec ses ça, je ne pas changer l'écran. D'après là, je me souviens. Et il y a Safari là, d'après tout Play Store, tourné en Play Store. D'après j'en parais, on voit. Et si mal est toujours dans point, c'est toujours même application. Mais il y a des bagailles qui peuvent changer dans le téléphone. Là. Mais si je présente un monde, il n'y a pas qu'à dire que je n'ai pas un téléphone iPhone. Là. C'est sûr. Là. Ok, mais pas oublier, il y a l'autre bagaille pour cliquer sur lui. Je pense que si on glisse à mien là, je pense que tout iPhone est gagné. Moi, je le spy pile. Et raison lui permet d'appliquer iPhone plus rapide ou utiliser des barres par exemple par menu que vous besoin plus rapide. On a pour les notifications, il y a favori, il y a device, il y a control center, il y a récent, il y a home bar. Donc par exemple si j'ai dit home bar, par exemple dans message et vous cliquez là automatiquement vous cliquez sur lui, on peut tourner directement sur page d'accueil là. Au lieu que nous avons un Android, nous avons trois petits bars d'accueil là, eh bien ça va nous servir comme bar d'accueil là. Ça veut dire, au lieu que je n'ai là, je n'ai pas là, mais si nous cliquons là, nous cliquons sur ça, c'est exactement bar d'accueil là. Et ça fait mon espace d'appui. Mais ce n'est pas tout le monde. Pas oublier, si mal là, je n'ai toujours pas de notification. C'est que la notification n'est pas activée. Bar de tâche moyen nous connaissons dans Android donc on aimerait les bar de tâche là il pas en rien pas monter parce que bar co activé mal dans paramètres je cherche application je cherche l'autre que me t'ai installé hein, ou bien application que me t'ai installé hein. Et un petit patience je cherche lui. Oh, il va juste en bas là. Plateforme non là pour les dos grandis. Oui, on cherche là. Voilà. Là pour là. Là yo à ça on gagne un paquet d'autorisation pour moi. Par exemple, là pour notre modification paramètres système. Si son iPhone m'a dit bien, pour accepter, cocher, c'est clair. Il dit OK. D'après là, il n'a simplement mettre Bixby à tout, incapable, mais c'est pas lui qui est important. D'après me chercher l'autre, m'activer, m'autoriser, et puis il dit OK. Je n'ai pas oublié, chaque sam moto, d'après là, son autre bagage, il aimerait aller balader ta chat. Ouais, comme si son iPhone. D'après me tout bagage là. Éclairage moi yo bien yo là musique contrôle musique ngi tout petit menu yo parce que ou même cap suivre vidéo ça si c'est première fois tomber sur plateforme abonne à channel là parce que nous gain l'autre bagage nouveau pour parce que pas oublier me présenter mon téléphone Galaxy S10 là n'a pas que mon iPhone 11 quand même tout menu tout processus yo là et bien m'aller n'a pas pour l'autre vidéo